La guerre des amants, alors là on remonte un peu le temps, c'est la révolution russe, 1917, la rencontre entre une jeune russe Natalia et un américain Walter, qui se retrouvent pris dans les méandres des premiers jours de la révolution russe, et qui ont un intérêt pour la peinture, qui va les réunir dans justement la grande explosion du début du XXe siècle, c'est-à-dire la révolution rouge, comme on a appelé. Pareil, un dessin assez classique, de facture assez classique, un petit peu moins que Il était une fois en France, par exemple. Et puis, on apprend pas mal de choses, on le sait déjà, mais la vie quotidienne et la vie secrète un peu des jeunes révolutionnaires à cette période-là, juste vers la fin de la Première Guerre mondiale, ça s'appelle La guerre des amants. C'est chez Glénat.